Bonjour, Mbotenabino, Betoabou, Mbotienou. Je vous attends. L'heure est tellement grave que on n'a pas le temps de mettre un peu de musique avant d'attendre que les gens puissent se connecter. L'heure est tellement grave. Mais en bon sens, hein? Mais en bon sens. Bonjour à tous. Mbotienou. Betoabou. Mbotenabino. Donc, merci de vous connecter sur ma page dorénavant pour que nous puissions parler des questions vitales, sociales, qui touche les Congolais, particulièrement ceux qui sont au pays. Parce que nous savons, nous, de la diaspora, quand même, nous avons pu développer des mécanismes de survie à partir des... même si nous n'avons pas des diplômes, on peut quand même avoir un travail ou avoir un social où que nous soyons afin de vivre d'une manière très, très basique. Bonjour. Aujourd'hui, nous parlons de la presse présidentielle. Un an après, quelles sont les failles? Quels sont les moments forts? Et quels conseils pourrions-nous leur prodiguer pour dorénavant? Parce que à partir de demain, ça sera le 1er janvier. Hein, le 1er janvier, nous allons aussi avoir le temps de parler du discours du discours à la nation du chef de l'État, mais nous savons que c'est un discours qui n'apporte pas un débat et ça, nous n'allons pas nous y atteler. Nous parlons aujourd'hui de la presse présidentielle. Une presse qui a été, nous, partout dans le monde où on se promène, on n'a jamais vu une presse d'un candidat. Ça veut dire, le président Félix Tshisekedi est de l'UDPS. Sa presse présidentielle devait n'être composée que des gens de l'UDPS, avoir étudié ou pas, journaliste ou pas. Parce que je sais très bien que ce ne sont pas les compétences qui manquent ici en République démocratique du Congo. Ce ne sont pas les compétences. Le site présidentiel est en construction jusqu'à ce jour. Un site qu'on a trouvé au mois de janvier, ça veut dire que ce site a été déjà payé. Pourquoi il est en construction? Il y a deux choses. Ils ne veulent pas continuer, comment on appelle ça, supprimer l'histoire de tout un pays. Parce que ce site-là avait 18 ans quand même d'image et même plus. Soit on s'est dit, on dit que non, on pourrait commencer tout à zéro, comme si le peuple congolais n'a pas besoin de son histoire. Pour qu'on puisse encore sortir de l'argent, alors que c'est un truc qui ne coûte rien du tout, un site internet ne dépasse pas 500 euros. 500 euros, ça ne dépasse pas. À qui d'ailleurs on le fait à 130, 150, 200 euros. Tout ça pour faire sortir encore l'argent dans la caisse de l'État. Nous connaissons même la personne qui est derrière. Hein? C'est la 22e lettre de l'alphabet. La 22e lettre de l'alphabet. Donc tout ça pour sortir l'argent de l'État et tout. Maintenant, où se trouve, vous pensez que les grandes nations, pour suivre les activités du chef de l'État, ils vont venir sur la page Facebook. D'ailleurs, il y a plus de 5 pages de la présidence de la République sur Facebook. Même Obama, même l'autre qui a Twitter et tout, ils ont des sites internet.
Congolais savent qu'ils peuvent contacter leur président de la République. Nous savons que les pages, ce n'est pas le président. Ils n'auront même pas ce... à monter ses limites. La presse présidentielle doit monter ses limites. On a commencé par donner d'abord la presse à l'allié. Ça n'existe pas. La communication est une force aujourd'hui incontournable. Avec la communication, le Rwanda se développe. Regardez comment ils ont changé tout en communiquant seulement. La communication est devenue une force incontournable. Aujourd'hui, nous-mêmes, on s'appelle l'armée numérique. La vidéo d'hier, j'ai eu tous les échos possibles. La presse présidentielle, vraiment, elle est catastrophique. Plus on parle, plus elle devient encore plus catastrophique. On dirait qu'ils s'en foutent. Ils veulent torpiller l'action du chef de l'État. Parce qu'on sait que l'action du chef de l'État, écoutez, on ne veut pas comparer les deux pouvoirs, mais on est obligé parce que nous sommes des intellectuels. On prend toujours exemple quelque part. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Vous connaissez la force de Kabila. La force de Kabila, c'était la communication. La force de Kabila, lui ne parlait pas. Aujourd'hui, le chef est obligé de tout faire seul. On dirait qu'il n'a pas de collaboration. Il y a des choses que lui, on peut laisser aux collaborateurs, mais tellement il sait que ses collaborateurs vont bête sans libaku pas maintenant là la BNT, ça sera des problèmes. C'est seulement maintenant on commence par quand même voir que quand il est à l'extérieur, il y a un drone, il y a des images claires. Je sais que là c'est pour faire partir Luaka Boanga, ça nous savons et tout. C'est aussi sa faute. Quand on est chef quelque part, on s'entoure de ses frères et de ses sœurs. Tu ne vas pas changer ça aujourd'hui. Abraham Luaka Boanga. Quand on est chef quelque part, on s'entoure de ses frères et ses sœurs. Tu ne prends pas les étrangers à côté de toi. Non. Comme un vrai Kassaïen, vous êtes toujours là. Quand vous êtes là quelque part, vous ne voulez pas que vos frères, vos sœurs puissent émerger. Vous voulez rester seul. Presse présidentielle. Quand ils disent non, c'est mon cousin du côté de mon père. Il peut vous dire. Mais arrivé quelque part, il a préféré travailler avec d'autres pères, frères et sœurs. J'aime ce pays. Vous connaissez pourquoi j'aime ce pays? J'ai vu des gens dégringoler d'étage. Des gens qui étaient tout puissants. Des gens qui avaient l'argent. Aujourd'hui, tu passes, tu le vois en train de prendre un taxi. La presse présidentielle, on ne va pas dire qu'elle est nulle. Trop de d'entre les jambes, tout le monde veut faire tout. Tout le monde veut faire tout. En faisant tout, les fautes d'orthographe, n'en parlons pas, sur les sites de la présidence. Et là, quand on dit ça, ils vont chercher des anciennes fautes des anciens présidents. On vient, mais monsieur, les choses ont changé. Aujourd'hui, avec Google, vous mettez votre... J'ai même dit ça à Luaka Boanga plusieurs fois. Vous faites un papier. Tu es un conseil de rédaction. Tu donnes le papier, il y a la réélecture. Et quand les autres relisent, on ressort toujours les petites erreurs. Et c'est comme ça que le travail est très bien fait. Non, vous êtes là quand il y a quelque chose, tu prends ton téléphone, vite, tu veux vite écrire. Hey, mais oui, écris vite, mais bien. Même moi qui suis journaliste, reporter d'images, de carrière et de profession, j'ai recours toujours aux gens.
Tout le monde veut tout faire. Soit vous voulez torpiller l'action du chef de l'État, il faut nous le dire. Hein? Vous voulez torpiller l'action du chef de l'État, nous allons vous mettre face aux Congolais. Nous allons vous mettre face aux Congolais. Parce que là, vous voulez torpiller l'action du chef de l'État qui a besoin de sa communication. Au départ, vous étiez dans l'année de la grâce. Parce que tout le monde voulait travailler à la présidence, tout le monde voulait un travail. Maintenant qu'ils ont tous compris qu'ils n'auront pas de travail, qu'ils puissent retourner à leur... à leurs occupations quotidiennes pour manger. Nous sommes au Congo, vous savez comment ça se passe. Ils risquent de rentrer dans l'opposition. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas une opposition. Il n'y a pas d'opposition pour le moment. Tout le monde adhère. Quand est-ce que l'opposition arrive? La presse présidentielle qui ne fait pas la promotion de la remontée de nos phares d'essai. Aujourd'hui, c'est la communication. Vous n'êtes pas parti là-bas pour vous acheter des maisons. Vous n'êtes pas parti là-bas pour qu'on sache que vous êtes la présidence avant les petites badges. Non! Il y a une guerre à l'est de la RDC qui sévit. Le Rwanda aujourd'hui se retrouve pour un génocide. Ils ont su communiquer. Nous, on ne sait pas communiquer. La presse présidentielle, n'en parlons pas. 80 millions de Congolais dans le monde. 80 millions ici, je pense 6 millions à l'extérieur. On est plus de 86. On est plus de 86 millions. Et nous ne savons pas communiquer sur ce qui se passe dans notre propre pays, où même Monseigneur le cardinal Ambongo vient de dire quelque chose de très important. Quelque chose se prépare à l'est de la RDC. Une balkanisation qui n'en dit pas son nom. Presse présidentielle. C'est la presse présidentielle qui doit donner le ton. Site internet zéro, vous attendez encore un autre site. Monsieur, les Congolais ont besoin de leur histoire. Kabila était là, il était là. Relancez le site présidentiel. Ce site-là est important. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui travaillent pour ce site-là sont là à la présidence, ils n'ont pas quitté. Nono Basubi s'occupait de la numérique, il est toujours là. Ils sont nombreux. Si vous n'avez pas voulu de ce site-là, pourquoi vous gardez les gens qui ont travaillé pour le site? Donc, Nono Basubi. Quand je viens toujours dire que cette maison-là, c'est ma maison. Vous êtes là, c'est ma maison encore. La communication ne marche pas. Et puis, quand vous mettez des choses sur Internet, les gens commentent, vous ne venez jamais pour relancer le débat. Que tout est acquis, les gens suivent et tout. Mais ça va cesser, ne vous en faites pas. Oui, les gens suivent. Aujourd'hui, la communication est devenue une arme redoutable. Quand on vous dit quelque chose, ils sont jaloux. Quand on vous dit quelque chose, ils sont haineux. Quand on dit quelque chose, ils sont tribales. Non, mais parce que vous ne savez pas écouter. Bon, comment ça m'a ramené encore? N'a moins d'amour canaille. Ceux qui ne croient pas, vous avez tout ça, on sera là pour torpiller tout ce que vous faites alors. Nous, aujourd'hui, nous sommes ce qu'on appelle les influenceuses. Nous influençons les publications. Nous influençons. Lorsque les gens ne comprennent pas.
Vous êtes en train d'échouer avec eux. Alors dites-nous que notre poison ne va pas rentrer dans 5 ans, que comme nous sommes en train de voir, parce que nos yeux là sont là pour voir l'opération des charmes qui se passe de l'autre côté, quelque chose se prépare alors. Si quelque chose se prépare, dites-nous pour que nous tous nous puissions prendre nos dispositions pour commencer par voler. Bisous tout le monde, Iba, tu as une rétro-commission, bisous tout le monde, j'ai un bon mon abisso, bisous tout le monde, parce que j'ai compris que pour faire partie de la presse présidentielle, il faut insulter, bisous tout le monde, ton public, on a bino, à ce moment-là, vous savez ce qui va se passer, parce que moi, je sais qu'à ce moment-là, c'est un danger. Je quitte la RDC, je rentre chez moi en Belgique. Et là, je deviens encore plus dangereuse. Parce que là, comme vous le savez, je suis dans tous les groupes de la RDC, j'y suis. J'ai toutes les informations que je veux. Si nous travaillons comme ça seulement, en aide de l'action, l'action va commencer dans la cour du chef de l'État. On ne peut pas apprendre quand on est au sommet de l'État. Beaucoup de choses se sont dites sur le président Félix. Mais depuis qu'il est là, tout le monde apprécie. Il travaille mieux même qu'une personne qui avait plusieurs professeurs autour. Oui, dites-toi, non, oh, diplôme, oh, ceci, oh, cela. Pas de problème. Mais aujourd'hui, il travaille mieux. Tout le monde applaudit, apprécie. Monde apprécie. Mon cher, je vais te répondre déjà en tant que journaliste que à l'UDPS n'a jamais été constante. Ça veut dire quoi? C'est que vous avez boutiqué la nuit. Ils peuvent se réveiller le matin, babou qui si en haut. Ça va comprendre que nos bases n'ont pas été penangotées. À quoi qui si en haut? Là, on n'en fait même pas. Il n'y a pas eu d'accord en Nairobi. À l'UDPS, c'est la base qui décide. Il y a des gens, comme on dit souvent, la personne était là au bon moment, au meilleur endroit et a pu avoir quelque chose. Vous comprenez? Donc, vous êtes là. Vous êtes... Moi, je suis dépassé. Dans d'autres pays, qu'est-ce qu'on fait? On ne vient pas pour tout balayer. Vous n'avez pas tout balayé parce que vous avez gardé plusieurs journalistes, des gens qui étaient dans la presse présidentielle ancienne. Vous les avez gardés aujourd'hui dans la nouvelle presse présidentielle. Ne dites pas que non, vous êtes venu tout enlever. Non! Et pourquoi vous ne prenez pas les gens compétents dans le travail? Parce qu'à l'UDPS, dans tous les DPS là, Kinshasa, Katanga, les 26 provinces, en Afrique, Europe, Amérique, Asie, Australie, donc il n'y a pas des gens capables de communiquer. Il n'y a pas de gens pour communiquer. Comme je l'ai dit hier, le contexte a changé. Hier, on n'avait pas Internet. Comme aujourd'hui. Hein? 5G, 6G, 7G même. C'est pas que ce n'est plus comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens, il n'y a pas que non, quelqu'un est venu dire que non, personne n'a changé les choses. Les choses vont comme ça. Aujourd'hui, il y a un document qui circule, tous les Congolais sont. Il y a une information, ça parle que c'est le Kamwina. Je l'ai vu lors des élections. Moi, j'étais au Grand Katanga, comme au loin là-bas. Avec l'astuce, voter Mouyège, voter tel, voter tel, voter tel. Quand je partais en province et dans les territoires, on disait, ah, c'est toi, Denis, tu as choix. Un message pour dire voter Mouyège et tout. Vous comprenez un peu? Donc, les gens ne m'ont jamais vu.
Ils m'ont vu que pour la première fois, mais à partir du message numérique qu'on envoyait dans le téléphone avec mon nom, c'est là qu'ils vont dire, ah, c'est elle, Denise Dussochoy. Alors, les gens m'appellent Denise Dussochoy, les autres Dussochoy, je ne sais pas moi quoi. Enfin, c'est pour vous dire combien la communication est devenue une force incontournable. Aujourd'hui, moi, j'ai imposé aux Congolais un style. Tu viens avec ta folie, tu me trouves avec la folie. Oena Buzoba, Kudjana, maman la Buzoba. Oena Maël, elle a mis le deux masters dans la communication belge. Sans compter ma formation dans la salle, Oena Kiyaga, Kudjana, maman a yanké, elle a mis le bébé au Kounais, ce que papa, on a cossi. On cossi ma casse. Cyprien Wetch. Pourquoi il est dehors? Grand frère, merci d'être en ligne. Pourquoi aujourd'hui Cyprien Wetchi est dehors? Est-ce qu'on peut nous dire? Pourquoi Cyprien Wetchi est dehors? Où est-ce qu'il y a une personne qui est bosseau? Nous la communication. Nous, on est venu après. Nous, on est venu après. La communication... Pendant un an, vous avez appris et dernièrement, vous avez quand même commencé par améliorer les choses. Mabé nango kakake et komi poko tana liste. Soroza moi si systématique. Soroza mobali 30%. Vous faites la honte de la présidence. Vous faites la honte de la présidence. 30% pour les hommes, systématique pour les femmes. Pour être sur la liste. J'ai eu des problèmes avec beaucoup de gens. Aujourd'hui que vous vous retrouvez à la presse présidentielle, Nazu Ata Mercité. Vous étiez là à dire non, c'est un problème, Nzambe Kaka. Quand j'ai fait du bruit dans les réseaux sociaux, bah récupérer bino tout, on a tiré vers comme on a bino. Mais le lata merci n'a suité hein. Non moi à ta reconnaissance ça te peut bien. Denise, vraiment merci parce que vous-même vous n'avez pas fait ça. Moi j'ai battu campagne pour vous. Donc comme je le disais, nous sommes fatigués d'une presse morte, molle. Mbongo, il y a site internet éclaté. Bokosa, il y a un site wana. Vous voulez effacer l'histoire de tout un pays pour vous lire Mbongo. Pourquoi Azofana Kassinanda Kouana? Parce que c'est l'Union africaine, le Nani, le Kabila aussi resté là-bas. Pourquoi on n'a pas changé? Les bureaux ont resté palais présidentiel. Le Kabila était aussi là-bas. Pourquoi on n'a pas changé? Pourquoi on n'a pas... Vous voulez tout changer, changer l'histoire de tout un pays. Pourquoi? Presse présidentielle, reprenez-vous cette fois-ci. Tout haut, bien que tu aies un noir, on va vous faire pression. Vos réponses. Tout sera mis sur les moutalaka, comme disent les Congolais. Parce que nous, on ne peut pas supporter l'humiliation de plus. La communication est une force. La communication est une force. Vous devriez communiquer sur ce qui se passe sur terrain. Bozoka était pour Anine. Tout Bozoka, Oveka, Oveka, Oveka. Beaucoup de gens président Boété. Bino, beaucoup de gens président Boété, c'est ma vérité. À un moment, beaucoup de gens la VK Petro. Et à ce temps, vous avez dossier, vous avez mis un tout ça, VK Zalak. VK, vous avez payé une vidéo. Je ne voudrais pas vous taxer un nom que tous les Congolais savent déjà. Tous les Congolais savent.
comprennent, ils ne sont pas cons comme vous le croyez. Une présidence pendant un an, le pays de Cobalt, vous sortez de l'argent comme si vous sortez de l'eau dans des banques tous les jours. Quand on descend, on est bon. Quand on descend, on est bon. Monsieur Raïs Sabidimbo, d'abord c'est un faux profil. Monsieur, je fais de la communication institutionnelle, si tu n'es pas au courant. J'ai des pages numériques que je gère. Je travaille pour des grands de ces pays. Toi, tu n'es rien. Au Batamina, c'est ma faux profil. Nyamangwaku. Donc, on comprend que je peux descendre plus bas que toi. Et comme je suis encore plus haut que toi, hein, donc si tu es un homme ou une femme, révèle-toi, dis seulement ton nom et ton adresse pour que tu aies que Yohan. Donc, tant que tu as dit que tu as dit que tu as dit. Donc, on comprend comment ça fonctionne. Ah, on a beaucoup de choses. On a français aujourd'hui. On a ling aujourd'hui. On a lingal aujourd'hui. Ah, on a beaucoup de choses. Petit monsieur. Bref, vous comprendrez que nous sommes en train de nous lamenter pour la presse présidentielle. Non, le bébé, le lotepo, si je suis à Bango, je suis téléphone, je suis message, je suis à Bango. Prochainement, Soki Kaka, Charles Bunga, Soko Zumwa si Oyo, Aebi Koloba Kolega Mibali, Aebi Koloba Koloba Koleka Yo, Oebi Kameli Diamba. Pour un gars qui est dans Fufu Nandap, dans la Fufu. Moi, je suis une femme, je suis la femme parmi les femmes. Je ne suis pas, je suis une femme parmi les femmes. Je ne suis pas la femme parmi les femmes. Je suis une femme parmi les femmes. Nazo intolerante tin, yo rendu aux internet virtuel. Aux impoli n'a pas impoli, aux impoli n'a pas comme poli. Ça c'est du virtuel. C'est ça qui vous manque ici au Congo. Les femmes ont trop peur de vous affronter. Donc nazo bongo, oyena ki ndinga, okutena ki ndinga. Oyena français au sentir que mon français est bien fluide. Faut faire attention. Je suis très tolérante. Là, nous sommes en train de nous lamenter sur quelque chose. Toi, tu viens embrouiller les gens. N'a pas de tio pour m'a mis balé à comprendre rien à bousso batté. Bref, nous parlons de la presse présidentielle. La presse présidentielle, vous devez vous prendre en main. Il faudrait que le chef de l'État puisse balayer la presse présidentielle. Balayer du début à la fin. L'icolo tinassé. L'icolo tinassé. Il faut balayer la presse présidentielle. Entre-temps, il faudrait, ça veut dire quoi? Pour faire partie de la présidence, Basenga va servir à Batou. Basenga va servir à Batou. On ne peut pas faire une communication institutionnelle quand on n'a jamais fait ça. Soit on paye pour les gens qu'ils partent en Europe, en Asie, aux États-Unis, 6 mois, 1 an pour faire la communication institutionnelle. Soit on fait ça, soit on envoie des gens, on prend des gens compétents en attendant. C'est un budget de l'État. La présidence a un budget illimité. On peut l'augmenter tout comme on peut le baisser. Mais qui sont des choses de qualité. Ce que nous avons vécu pendant 1 an, mais merde quoi, excusez-moi le terme. Vous comprenez? Donc la presse présidentielle doit être balayée. S'il le faut, je lance une pétition. Nous lançons une pétition pour plus frapper les gens. On ne parle plus aux gens. Je pense que nous avons trop parlé aux gens.
allons maintenant parler au chef. Nous parlons directement au chef. Non, je n'ai pas envie d'entrer là-bas, comme le chef lui-même le dit, Mbokabandoki. Vous comprenez? Il faudrait qu'on puisse balayer la presse présidentielle. Je vous donne un exemple, CNews de Mike Mukebaye. CNews a vilipendé le chef de l'État pendant, et comme le dit mes frères ivoiriens. Comme le... Et là, CNews aujourd'hui se retrouve dans la presse présidentielle. Abinabi Bébé. Si c'est le 4, on a pour faire chier le monde depuis la Bibinaké. Vous comprenez? Donc, ça fait très mal de voir que les choses ne fonctionnent pas comme on le voulait. Bref, la communication est devenue une arme incontournable, redoutable. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'une presse présidentielle compétente, compétitive sur l'échiquier tant international que national. Nous avons besoin d'une presse présidentielle à la hauteur du grand Fatshi Béton, à la hauteur de ce grand pays, 2 345 000 km², plus de 86 millions d'habitants, dont 80 millions en RDC, 6 millions éparpillés partout dans le monde. Nous avons besoin, Joël Kadendanga, bonjour, un grand que je voudrais bien voir dans la presse présidentielle, cette presse qui a été donnée à un allié, je suis contre cela. Ils ont fait un an, je pense qu'il faut que le chef de l'État puisse changer son fusil d'épaule concernant la communication. La communication, on ne la donne jamais à un allié. La communication aujourd'hui, il faut donner à des personnes qui savent faire une communication institutionnelle, agressive. Notre grand frère Kassoma Mouema a fait son temps. Madame Tina Salama, elle a fait son temps. Mais c'est des gens très intelligents et très compétents qu'on devait mettre plus haut que ça. Cette place, on devait la donner à quelqu'un comme Christian Lusakweno. On devait donner à quelqu'un comme Chantal Kanyimbo. On devait donner à quelqu'un comme Paulette Kimountou, pour une fois, pour faire chier juste le monde, pour faire comprendre aux gens que le président n'a pas de quelqu'un. Parce qu'il ne faut pas oublier, cette dame-là militait pour l'opposition dans la communication. Elle a milité. On devait donner à des gens comme ça, Zakari Bababassoué. Qu'on dise maintenant parce qu'ils ont travaillé avec Kabila. Qu'on arrête cette histoire-là de travailler avec Kabila. Qu'on arrête. Dans les 720 conseillers, j'en connais plus de 200 qui ont travaillé avec Kabila. Il y en a plus. Conseiller numérique, Dominique, travaille avec lui aux affaires foncières. C'est un cousin à l'ancien ministre, un neveu à l'ancien ministre Vunabande. Maître Taylor, pire personne, kabiliste, pour ne citer que ceux-là. Je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, qu'on arrête, oh non, et tout ça, Kabila, Paulette Kimountou. C'est ça même que nous refusons. Parce que quelqu'un nous connaît, il y a des gens, il ne faut pas oublier. L'éditeur de cabinet avait à manger avec Kabila.
Ce que nous-mêmes, moi, je n'ai jamais fait. Moi, je le voyais de loin, je prends les photos. Mais il est à côté de notre frère Félix, non? Il nous a rejoint quand? Il nous a rejoint quand? Et l'aide de la Mouka, alors Mike, alors c'est nous qui a la présidence. Il faut arrêter avec les préjugés. On a dépassé tout ça. On est dans un monde différent où on ne regarde plus la couleur des gens. On ne regarde plus la race des gens. On ne regarde plus la tribu des gens. Nous sommes devenus ce qu'on appelle un village planétaire. Donc c'est un peu ça, je vous aime beaucoup. Aujourd'hui on parlait un tout petit peu de la presse présidentielle. C'était juste pour leur souhaiter une bonne année. On parlera plus, on frappera plus à la fin de cette semaine, parce que je leur ai concocté plusieurs vidéos. Hein? Je leur ai concocté plusieurs vidéos. Patrick Capella, bonjour. Un grand combattant de l'UDPS, un grand qui a milité pour l'UDPS sur Internet. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie, Abraham Lwakabo a été à Pareko en Rwanda. Quand les Patrick Capella ici, les MK November étaient les communicateurs de l'UDPS. Les gens oublient trop l'histoire. Je vous rappelle simplement que moi, il y a des gens que j'ai connus sur Internet qui aujourd'hui sont mis de côté et ça fait très mal. Patrick Capella. Patrick Capella, Cyprien Wetchi. Pourquoi il n'y a pas une liste de communicateurs du président de la République? Le président d'avoir une liste de communicateurs, des gens qui vont parler de lui à la télévision. Vous voyez, quand je communique pour une institution, je n'ai pas besoin d'un papier, mais j'ai vu un des collaborateurs du président, avec son, on pose la question, elle était là comme ça. J'ai dit, la pauvre, c'est pas sa place. Il faut une communication agressive pour le chef. Nous parlons encore de la communication. Sans communication, c'est rien. Honorez-vous la bonjour, la force des patriotes. Un garçon qui s'est beaucoup battu, je te félicite parce que tu sais communiquer. La communication n'est pas ton dada, mais tu es entré, tu as compris comment ça fonctionne. Félicitations, frérot. Donc, comme je le disais, la communication, juste la présidence de la République, a besoin d'un rayonnement. La communication a besoin des gens capables de parler du chef sans papier, sans raisonner, ça doit découler de soi. Raïs, ça me dit, je vais te bloquer, tu vas manquer tout. On va manquer Bouzoba, on va manquer Info, on va manquer Bilora bien placé. Donc, comme je le disais, la communication du chef de l'État doit être balayée. Un homme comme Christian Bossembe doit faire son entrée à la présidence de la République, parler du président, parce que nous, pendant un an, nous avons eu le temps de connaître les gens, de les juger, de mesurer leur capacité d'adaptation, de balancer sur mesure leur manière d'appréhender les choses. Non seulement appréhender, mais leur manière de rendre les choses pour que la population puisse comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, nous ne sommes plus allés autant de la pierre taillée. Non, nous sommes dans le temps moderne. C'est encore pire à l'ère 2.0. Faites-nous le...
Depuis que le chef est là, avez-vous déjà vu un portrait de lui? Un portrait que la presse présidentielle vous a concocté. Nyon ce kakambongo, ce basta yelo pouba publier, nini, bon on a ne bima. Bon on a ne bima. Lors du deuil du sphinx, vous avez Kagame est venu. À 16h, l'équipe présidentielle rwandaise avait déjà mis en ligne l'activité du chef ici. Alors que notre presse présidentielle est encore dans les COP. Félicitations à l'équipe de communication de la première dame. Félicitations à l'équipe de communication de la première dame. La première dame a su capitaliser, comme on dit, son aura. Elle a su capitaliser ce qu'elle fait comme activité. Elle n'a pas demandé, ils sont de l'UDPS, ils sont de l'ANC, ils sont de... Non, non. Elle a capitalisé son travail. Aujourd'hui, vous avez vu même cette vidéo-là, c'est l'équipe de presse de la première dame. La vidéo de nouvelles, souhait de nouvelles, c'est l'équipe de la première dame. Et tout le monde a remarqué la touche. Donc, vous comprendrez bien que, nous sommes là que pour... parler des choses de notre pays. Nous n'avons une dent contre personne. On ne veut prendre la place de personne. Mais nous trouvons, Madame Tina Salama, bonjour. Nous trouvons qu'il faut qu'on puisse prendre, qu'on mette les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Il y a trop de complaisance dans la presse présidentielle. Tout le monde fait le travail de tout le monde. Donc, c'est un peu ça. J'étais Nasta Romain Asuka, Madame Tina Salama Koti, et Salike, Nazon Asikoyo, pour la salle à moi, remake Ndambu Kaka. Madame Tina Salama est la porte-parole adjointe du chef de l'État. Vous avez suivi depuis ce matin une petite vidéo d'elle qui passe sur actu.cd, je pense, Christine Chibouyi. Je pense à elle, la journaliste qui a réalisé cette petite vidéo-là. Je disais, il y a trop de complaisance au niveau de la présence de la République dans la cellule de aujourd'hui est devenue une force incontournable. Aujourd'hui, même les guerres sont devenues communicatrices. Même comment on appelle, tout ce qui est social, c'est devenu la communication. Elle est devenue une arme. Elle est devenue, comment on appelle ça? Une branche non négligeable dans un pouvoir. Et cette branche-là, on ne peut pas la confier à un allié. Je suis désolé. Il faut que la communication du chef puisse revenir à l'UDPS. Si ce n'est pas l'UDPS, à un des proches du chef de l'État. Je suis clair, net, précise, concise dans ce que je dis. Dans aucun, au monde, dans aucun pays, on a pris la communication, on a donné à un allié. Ça, c'est inconcevable. Et des deux, qu'on prenne des gens compétents. Il y a eu la campagne, on devait remercier les gens. Je pense que les gens étaient suffisamment remerciés. Ils se sont achetés des maisons, ils ont acheté des voitures, ils ont quand même eu une belle vie. Pour commencer la vie après. Après, il faudrait qu'on leur mette dans des endroits où ils peuvent être compétents. Dans des endroits où ils sont compétents. Et même s'ils ne sont pas visibles, ils peuvent se faire visibles. Présidence. Il s'appelle Nono Basubi. Ce garçon-là, on ne le connaît pas. Il a plein de faux profils. Mais ce garçon-là, il est très compétent. Au départ, il n'a pas fait la communication. Mais il a su prouver qu'on peut le garder là. Il n'est pas visible. Mais il fait un grand travail. Donc, aujourd'hui, nous demandons que le chef de l'État, parce que nous, on ne peut plus frapper le subalterne. Nous devons parler au chef. Dire, président, Foum, t'es dans le droit de me dire, je suis un chip, 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 je suis un chip
Sangalato, Musoil, Konuf Bimpato, Pionimbang of Chilub, Fum, Soukou la presse présidentielle. Bibi Kayaka Mabouen. Par le monde Kay Mabouen de To, Kayaka Koukousa Mabou To. Il y a de noms qui circulent dans la presse. Le Christian Lusakweno. Le Christian Lusakweno. Les, comment on appelle ça, les Zachary Bababassoué. Les gens comme Jean-Marie Kassamba. Parce que je dis que Jean-Marie Kassamba est kabiliste, mais Christian Lusakweno aussi avait des avantages à la présidence. Ou est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Donc nous demandons au chef de revoir sa cellule de communication. La communication ne doit pas passer par quelqu'un. La communication du chef doit être, le chef doit être en communication avec ses communicants. Le chef doit être en communication avec ses communicants ou bien ses communicateurs. Le chef doit être il doit être en symbiose avec les gens qui communiquent pour lui. Le chef doit gérer sa propre image. Il faut que cette année, que le chef de l'État puisse avoir une équipe de communicateurs. Pas comme ce que nous voyons à la télévision, chacun part parler au nom du chef. Qu'il ait l'argent ou pas, il parle au nom du chef, il vilipende les autres et il tire des piques en sens des autres collaborateurs. Ce n'est pas ça la communication. Azoyo Kapona Sinayoki, je suis la fille la plus suivie. Parce que je suis partout. Tu viens avec ton intelligence, tu vas me trouver bien, bien, bien comme le diraient les Ivoiriens. Oyena kindinga okutingai. Moi, je suis comme l'eau. Je m'adapte facilement. C'est pour ça que je remercie la Belgique qui m'a tout donné. Aujourd'hui, je dois rendre ce qu'on m'a donné à mon pays d'origine, la RDC. Bref, c'est ce que nous voulions dire pour vous. La communication du chef a vraiment des problèmes. Pas de site internet que ce jour, au site en construction, on ne sait pas pourquoi. Tout ça, mais ça quand bon à présidence. Or, ce site-là, un site par an, nous payons tout au plus 200 euros. Sur moi, je suis chez OVH, dans tous les sites que moi je gère, je les héberge chez OVH en France. Il y a beaucoup de sites comme ça. Ça ne coûte pas cher, pas plus de 200 ou 300. Pour l'hébergement d'un site, la maintenance d'un site. Aujourd'hui, le chef de l'État, nous sommes plus de 80 millions de Congolais partout dans le monde. On n'a pas besoin de toutes les communications du chef de l'État, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram, le site internet. On n'a pas besoin de sponsoriser parce que nous sommes plus de 86 millions à le suivre, sans compter les partenaires, les gens qui veulent venir, investir chez nous. Vous avez vu que les investisseurs ne se bousculent pas à la porte. Hein? On voit le sérieux d'un pays à travers sa communication. Regardez un ministre comme Ahmed Bakayoko. Regardez sa page officielle Facebook. Mais elle dépend d'autres pages du président de loin. Elle n'est même pas sponsorisée. Ahmed Bakayoko, un ministre ivoirien. Désolé. Faisons le travail et puis qu'on arrête le clientélisme, qu'on arrête d'intimider les autres, les intimidations. Pour vous dire quoi, l'intimidation, quand tu as raté, et puis qu'on puisse travailler au mieux qu'on peut, surtout que nous avons tout. Surtout que nous avons tout. Donc, Léon Aloba Mingité. Le nom de la bombe est un peu de la bête. Le nom de la bombe est ça, mais la fin d'ici en haut. Nous sommes à la veille. Dans quelques heures, le chef de l'État. Enfin, il a déjà enregistré son message. Dans quelques heures, à 20h, ça sera le message du chef de l'État.
Je vais vous laisser revivre encore cette communication afin que vous puissiez comprendre où nous allons, d'où nous venons, qu'est-ce que nous devons faire maintenant. On ne peut copier que les meilleurs. Je pense que le Rwanda a prouvé que quand on veut quelque chose, les fils et les filles suivent et ils s'en foutent des répercussions. Aujourd'hui, dit un Rwandais que Kagame nous tue, Kagame nous vole, le Rwandais n'acceptera pas. C'est parce que c'est une communication qui est passée. Nous voulons que cette communication-là, que notre chef soit le numéro un, comme on dit, numéro un sportif des sports, des sportifs, pardon, qu'il soit aussi le numéro un communicationnel. Donc, il dit, et nous tous le suivons, pas cette presse présidentielle qui nous a présenté. Désolé, beaucoup de Congolais, ont pris la même chose que moi. Beaucoup de Congolais pensent comme moi. Et tout le monde pense maintenant qu'il faudrait que le chef puisse prendre les choses en main et qu'il change sa presse présidentielle. Au revoir.